Je ne marchais pas convenablement, je ne pouvais pas poser mon pied par terre. Mais maintenant je marche convenablement. Dieu a levé l'hernie qui était ici. Nzambe a longoli hernie. Oye Zalakia, oye Vimba qui a annoncé. Elle ne marchait pas. Pendant que je priais, j'ai senti quelque chose lâcher mes pieds et s'en aller. Et maintenant, je suis en train de marcher. Dieu m'a guéri. Mon bassin était fracassé. Quand j'ai commencé à prier, au moment où papa a dit Amen, quand il a fini de dire Amen par trois fois, et l'esprit m'a dit de me mettre debout, et j'ai commencé à sauter. Quand j'ai commencé à marcher, je me suis senti léger. Oh Dieu est tellement bon. Je crois qu'il est Dieu. Je n'irai plus dans mon église là-bas. Je viendrai prier dans l'église du passé Barouti. Amen.
Lupeta. Ndekomasi divine Lupeta. Qui a été ressuscité le dimanche passé, 27 septembre. Oyo asekwaka lomingo utaki koleka le 27 septembre. Tension na ye komagina zéro. Et sa tension de corps était arrivée jusqu'à zéro. A témoigné à remercier Dieu. Elle veut témoigner elle-même de sa propre bouche pour remercier le Dieu Tout-Puissant. Wabiye. Ah. Esaïe. On a vu les autres côtés pour la thé. Allez, Yaka. Les autres côtés pour la thé. Et tu avais dit que je n'arrivais pas à bien marcher. Yéoli. La voilà. Moi, je n'ai pas papa Baruti. La fille de papa Baruti. Mami, il y a une porte de la gare. Elle était libérée. Que Dieu vous bénisse. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu de Pasteur Baruch qu'il a fait pour moi. Na yeko tatola pona bonene nzambe ya mokengeli Baruti oyo abikisaki ngai. Bon, en fait, je n'étais pas malade. Soko tali pena malamu nazalaki kobela te. J'avais juste la grippe et la toux. Nazalaki kaka na nzoto moto moto na kosu kosu. Bon, je sentais vraiment la vertige, vraiment la vertige. Bongo nazalaki pena koyoka ki zungu zungu penza. Et puis vraiment je ne sentais pas vraiment bien. Pe nazalaki komioka malamu te. Avant que le problème ici puisse arriver. Liboso te likamango salema. Non, c'était déjà révélé par beaucoup de gens. Et bele na bato ba monaki yango. C'était le samedi. Et zalaki moko na poso. J'étais chez ma tante Dinen. Nazalaki pa na mamale kinangai. Bon, j'ai senti m'a demandé parce qu'elle était sortie. Ah, c'est là qu'il n'y a pas maté hier, Bimaki. Quand elle est revenue, elle m'a demandé pourquoi tu es assis comme ça. Ah, tout le monde, au fond, je dis, je sens juste que la tête me fait mal. Naïbisi, Nazo, Gara, Moutunde, Osa, Langapasi. J'ai des vertiges. Ben, Nazala, Bakizungu, Zungu. Après, il m'a dit, est-ce que vous avez pris les médicaments? Je dis non. Il m'a donné les médicaments pour que je puisse mettre dans les narines. Après cela, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, le dimanche, je n'avais pas vraiment l'envie de venir à l'église. Wana ezonga kinga na ndako. Posa ya koya pena na losambo ezalaki kati na ngai te. Parce que deux fois je me réveille très tôt matin 6h pour arriver ici à l'église. Mbala mingi na la mukaka na ba 6h tongo pona koya awa mbangu mbangu na losambo. Mais le dimanche j'étais venu à 9h. Kasi mokolo wana ya lomingo na yaki awa na ngonga ya libwa. Donc des fois je m'assois là-bas. Mbala mingi mingi na fanda kangambo kuna. Bon, quand j'étais arrivé là, il y a des sœurs m'ont dit que non, pourquoi tu es venu en retard comme ça? Ils ont poussé, je me suis assis. Te tango na komi bande konanga basi batuninga ah, oye na ngongele ki bwendenge nini? Ba mi bongisi bongisi pe ba pesinga sika na fandi. Après là, j'étais là, bon, j'ai senti toujours l'étouffement vraiment. Pe tango na fanda ki kuna, zai koyoka molunge pendant na kati na nzoto. C'est ma toute première fois que je puis sentir cela. Donc l'étouffement, je n'ai jamais vu vraiment l'étouffement. L'étouffement. Après cela, avant que le pasteur puisse entrer, je dis, parce que j'étais avec l'enfant de ma tante. Je lui ai dit que non, je sors dehors parce que je peux prendre de l'air parce que je me sentais vraiment pas du tout bien. La lobby na ye na zali na nona bi na bi maman libanda moke na kende kozo mo pepe. Pamba te na zali komio ka pena mala mute. Je suis sorti dehors quand j'ai sorti là. Donc j'étais en train de vomir, je vomissais vraiment. Na bi mi libanda. Wana zalaki nga ko bi mala libanda, na zalaki kosanza, kosanza penza. Bon, quand je suis arrivé dehors là, je ne me sentais pas toujours bien. Je me suis dit,
Je me sens comme ça, pourquoi? Et comme tout... Kingai, na libanda, nazara ki penza komi yo kamala mute, bongo na mituni na kati na ngai moko, nazomi yo kamala mubwete, pona nini? J'ai senti vraiment l'étouffement, je n'ai jamais vu l'étouffement. Kaka étouffement penza, nanu na yoka ngote. Je vomissais toujours. Nazara ki kaka kosanza. Après un moment, mwatango moko, j'ai dit à l'enfant de ma tante, on entre à l'intérieur. Quand je suis entré, parce que j'étais sorti par Wenge. Donc j'étais toujours en train de vomir. Après là, nous sommes entrés. J'ai dit, pourquoi? Donc j'ai senti toujours l'étouffement. J'ai dit, je ne peux pas supporter. J'entre aux toilettes dessert pour aller terminer à vomir. Nazalai koyo kaka étouffement, nazalai ko kanga moté matin, on a mis l'obéli na kota na zongo ya ba ndeko basi. Après quand je suis entré, et si mananga ko kota kuna, il y avait une sœur là, elle était en train de balayer. Nazalai na ndeko moi si moka zalai ko kombola kuna. Elle m'a demandé, sœur, tu pleures quoi? J'ai dit, je me sens pas toujours bien. Après, parce que y a la maman de mon ami, elle est aussi quoi où je suis à l'église. Maman ya moninga na ngaye pe azali moko na kati na bato ya Croix Rouge awa na kati na losambo. Elle m'a demandé quoi? Parce que je vis ta figure a changé vraiment. Pamba te la moni longi na yo ezali ebongwani komi mawa mawa. Moi j'ai dit, je sens toujours. Je sens l'étouffement et puis la toux, la grippe vraiment me dérange. Na lobi na ye nazali koyoka étouffement, kosu kosu pe grippe ezali kotungisa ngai. Après il m'a dit, je ne peux pas te laisser, tu as mal. Na sima lobi na nga te boye na koki kotika ote na mono ozali penza kobela. Nous sommes sortis avec, elle m'a touché même par la main. To bimina ye longo siminga na loboko. Quand on est sorti là, wana ebima kibiso, j'étais toujours en train de vomir. Nous sommes arrivés au bureau de Croix Rouge là. Il y avait des sœurs qui étaient là. Elles m'ont demandé, sœurs, quoi? Je dis, je sens seulement l'étouffement. L'étouffement et puis la tête, le vertige. Après, elle m'a dit, vous avez pris les médicaments? Je dis non, je n'ai pas pris les médicaments. Après là, d'abord, la maman de mon ami m'avait dit, attends-moi ici, je sors dehors, je te cherche le médicament. Après, je suis restée là, mais je ne sentais pas toujours bien. Après, je me suis assis, elle m'a donné la chaise. Elle m'a dit, sœur, ferme les yeux, on va prier. Après, elle m'a dit, non, attends, d'abord, j'appelle les diacres. Hein, les diacres vont prier pour toi. Après, on a appelé les diacres Chibangu. Les diacres ont commencé à prier pour moi. Amen, amen. Amen, amen. Après, les diacres sont sortis. Après là, directement la maman l'a dit, moi aussi je vais prier pour vous. Elle est aussi quoi rouge. Nasima, maman a lobi, maman a lobi, elle a commencé à prier, mais elle chassait toujours l'esprit des morts. Elle a chassé ça pendant 3 fois. Abengali ngombala misa tu mubimba. Elle m'a dit, sœur, applique seulement la foi, tu seras guéri. Alobin de komasi sale la kondima na yo okobika. Mais je ne sentais pas toujours bien. Atako bongo nazalai komio kaka kaka malamu. Toujours l'étouffement, toujours l'étouffement. Étouffement na étouffement. Après cela, ce qui était arrivé là, bon, je ne savais plus. Nasima, oye komaki niwana na yebaki lisusute. Bon, on t'avait amené. Bayaki na yo na bureau. Et tu étais sur un brancard. Au balali sakio na brancard. C'est bien, comme ça. Et on avait mis, comment on appelle ça? Sorte de ceinture. Mais bakanga qui est na lokola na bakamba na mbeto likolo mbeto wana.
Et il y avait même un médecin, je crois. Et ils m'ont dit la tension est arrivée jusqu'à 9, jusqu'à 0. Et tu ne respirais plus. J'ai demandé une chaise. J'ai dit personne ne peut mourir ici. Dans l'église. J'ai prié pour toi. Tu étais toujours couché. J'ai prié encore. Tu étais toujours couché. Et puis, la troisième fois, tu as ouvert les yeux. Yo, ofungola kimiso. Je t'ai posé la question. Na tuna ki yo motuna. Est-ce que tu me vois? Yo, ozomo nangai? Tu n'as pas répondu. Oyanola kite. J'ai dit qui suis-je? Na tuni ngai nani? Tu ne savais pas. Reba kite. J'ai repris la prière. Na zongeli libondeli. Mourir ici dans l'église. Kokufa awa na kati na losambo. Je n'accepte pas. Na lingi yango te. Et après, je t'ai appelé encore. Alors là, tu as répondu. J'ai posé la question. Qui suis-je? Ngai nani? Tu as dit c'est le pasteur Baruti. Olobaki, yozali mokengeli Baruti. J'ai dit enlever ces histoires-là. Alors j'ai dit. Nabongo na lobaki. Est-ce que tu peux marcher? Yo, okokoka kotambola? Non. Olobi te. Mes jambes sont devenues lourdes. Ma kolonanga est komi kilo. J'ai prié encore. Na bondeli li susu. J'ai dit aidez-moi à le soulever. Bosu ngai pona kotombola ye. Je ne sais pas nani ngwa soulinga na moni ngwa. Je ne sais pas qui m'avait aidé, je n'ai pas vu ça. Tu étais debout. Pe otelemaki na makolona yo. J'ai dit marche. Na lobi tambola. Tu m'as dit non, mes jambes sont lourdes. Olobi na ngate makolo ezali kilo. Il marche. Na lobi tambola. Jusqu'à ce que tu as commencé à marcher. Kino obandaki kotambola. Complètement guéri. Obika ki penza na mobimba. À la fin, tu avais même souri. Na suka osekaki ata koseka pe. Moi j'ai dit eh, asekaki ata koseka. Je me suis dit oh, elle a souri aussi. J'ai dit mais la marche toi-même. Mais tambola siko yomoko. Et tu as marché seul. Pe o tambola ki siko yo yomoko. J'ai dit reviens ici. Dans le bizongela awa lizu. Et tu es revenu seul. Pe oyeko zonga yomoko. C'est le Seigneur Jésus qui t'avait ressuscité. Ezali kolo Yesu ndemoto asekwisaki yo. Pas moi. Ezali ngai te. Moi je ne peux rien faire. Ngai na kosala eloko ata moko te. Si ce n'est avec Jésus. Sokika ka elongo na Yesu. C'est quoi? Tu veux chanter? Elle veut chanter un peu. Tu allais chanter au ciel. Bon, je vais juste chanter pour l'amour de Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Un jour dans les déserts, le peuple courait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils criaient à Moïse, nous allons périr, où est nos enfants? Et tous nos détails, Dieu descendit et dit à Moïse, prends ton bâton et parlez au rocher, je vais parler au rocher frappé, je vais parler au rocher. Qui me donnera les saisons, je vais parler au rocher frappé, je vais parler au rocher, qui me donnera les saisons.
Kasi yo zali bolongi
ma pamboli ko silate oyozali na ngambo na biso yonde mokonzi yonde mobikisi toki olobi milibo mikobika babeli bakobika bakangemi bakokangwama pe lokumu ekozonga na yo olo Yesu. Amen. Elle voulait mourir dans mon bureau là-bas. Badie na kiti a kwei. On l'a placé sur une chaise, elle était tombée. A kwei suko vanda te. Elle ne pouvait pas s'asseoir. Ah Jésus. Oh Yesu. Otini mwana mama ongala na mokini. Et tu as envoyé le fils de maman ongala dans le monde. Et j'ai déclaré, elle ne mourra pas. La voilà. Sœur Kambali. Okoufi. Pèse micro. Okoufi. Nakoufite, papa. Je ne suis pas morte, papa. Mobano Ebsagio. Ton mari t'avait dit. Nabenga tous les jours. Oui, papa. J'appelle tous les jours. Abou c'est ça la kimala piro. Bonaye pa. Oui, papa. Vous allez dire aux hommes bonnets. Oui. Vous allez dire aux hommes bonnets. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Le Dieu de Beka. Nzambe ya Beka. Nazo zanga maloba koloba. Je manque de mots, je ne sais pas comment m'exprimer. Beka papa nangai. Beka mon papa. Nazo ebani te koloba. Je manque de mots. So bozo mon nangai. Si vous me voyez aujourd'hui vivant. Ezali vraiment ngolo na nzambe. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Déjà na koma ki na AVC partie gauche. J'avais connu l'AVC du côté gauche. Partie gauche. Du côté gauche. AVC déjà c'est là kinga ingambo yo. Et l'AVC m'avait pris de l'autre côté ici, côté gauche. Nanda kunanga na okaki ba vertige. Et dans la même maison, j'avais des vertiges. Vraiment, ba pasteur na ba diacre bango ba monaki. Et les pasteurs et même certains diacres aussi m'avaient vu. Kokota na bureau pasteur Baruti. Pour entrer dans le bureau du pasteur Baruti. Nandi ko benda lokolonde ba AVC ba ça. Et j'hésitais, je marchais comme fait comme font les gens qui sont de l'AVC. Na le vie, Seigneur Jésus, Dieu de Beka. Et j'ai crié, Seigneur Jésus, Dieu de Beka. Koti kanga itemwana na yo. Ne m'abandonne pas, je suis ta fille. AVC, non, Seigneur. AVC, je ne veux pas de ça, Seigneur. Miséricorde, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Soye si la kinga déjà au batuba kufaka. Et il y avait plus de salive dans ma bouche. Nanda koluka soye. Je cherchais de la salive. Nanda ki kolenga. Je tremblais. Nanda ki kokokate. Je n'arrivais pas. Moi, nananga kuta nanda ki kolela. Et ma fille commençait déjà à pleurer. Alobi maman nini. Elle me posait la question, qu'est-ce qu'il y a maman? Soki natali mobali nangai mawa. Si je pense à mon mari, c'était du pitié. Mon thème nanda ki ko beta na niveau moko impossible. Et mon cœur palpitait, battait d'une manière impossible. Nazomi kokate. Je n'arrivais même pas. Mais kasi. Bassan tu y a Rigini na pesi bino merci. Les saints de Rigini, je vous en remercie.
Il y a d'autres que je ne connais même pas et qui ont prié pour moi. Je remercie les pasteurs associés. Tous les diacres, les administrateurs, et le pasteur Barout m'a fait sortir d'un trou qui était vraiment profond dans le puits de Lyon. Il y avait des combats par-ci par-là, et cela était visible même à la maison dedans. Dieu de Beka, merci. Oh, Dieu de Beka, j'étais là-bas et je n'arrivais pas. Amour, Beka, la Kisina. Et l'amour que Beka a manifesté pour moi. Même mon papa qui est déjà décédé. Il m'appelle à tout moment. Priez, 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 priez pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Papa, merci. Nous devons aimer nos ennemis. Alléluia. 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 Nous voulons voir un homme qui peut dire à un mort, Batonatou, reviens dans ce corps. Nous voulons voir un homme qui peut convoquer toute l'assemblée et les amener dans un stade et dire sort entier de l'histoire. Nous voulons voir un homme qui peut dire simplement, je m'attendais qu'une personne quitte sa chaise roulante. Nous vivons dans l'âge du retour du message. Nous avons eu un prophète majeur sur la terre aujourd'hui. Et ceux qui ont reconnu leur message et qui ont reçu leur messager, ils sont comme la manne qui ne pourrit jamais. Ils sont comme la manne qui ne pourrit jamais. Oh, si tu as de problèmes dans ta famille, lève simplement ta main. Toi qui es tourmenté, lève simplement ta main. Le Dieu de Beka est en train de surquiller. Lève simplement ta main. Oh, il y a la colonne de feu dans ce message de frère Branham. Il y a les signes prodiges dans ce message du tendus. Il y a même la résurrection pour les morts. Alléluia. Dans ce message de frère Branham. Mais où vas-tu, mon bien-aimé? Dieu t'a donné un emblème pour la guérison. Mais où vas-tu, ma soeur bien-aimée? Il y a un emblème dans le message. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je ne marchais pas convenablement, je ne pouvais pas poser mon pied par terre. Mais maintenant je marche convenablement. Dieu a levé l'Erni qui était ici. Nzambe alongoli Erni. Oye Zalakia, oye Vimba qui a annoncé. Je ne marchais pas. Pendant que je priais, j'ai senti quelque chose lâcher mes pieds et s'en aller. Et maintenant, je suis en train de marcher.
Dieu m'a guéri. Mon bassin était fracassé. Quand j'ai commencé à prier, au moment où papa a dit Amen, quand il a fini de dire Amen par trois fois, et l'esprit m'a dit de me mettre debout, et j'ai commencé à sauter. Quand j'ai commencé à marcher, je me suis senti léger. Oh Dieu est tellement bon. Je crois qu'il est Dieu. Je n'irai plus dans mon église là-bas. Je viendrai prier dans l'église du passé Barouti.